Vu comment elle sonne, ça ne peut être que lui. Mais ce n'est pas son genre, ça, de venir dans la journée. Entrez! Bonjour, mon aimé. Il ne vous est rien arrivé d'ennuyeux. Je suis étonnée de vous voir chez moi cette heure-ci qui n'a jamais été la vôtre. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des choses. Mais d'abord, il y a une grande chose. Lis ça tout haut. Tout haut? Il faut toujours lire à haute voix ce que l'on doit signer. Monsieur le maire du 8e arrondissement de Paris, je vous autorise à publier l'annonce de mon mariage avec monsieur Lucien André Gaston Leclerc de Pavilly. Ce mariage se fera sous le régime de la communauté de biens. Ce n'est pas vrai? Mais si. Ah, oh, mais c'est trop, chérie, c'est trop! Oh, je suis si émue! Je ne peux même pas exprimer la joie que j'éprouve tellement je suis émue! Ce n'est pas une farce que tu me fais dire? Une farce? Oh, mais quelle horreur! Mon petit. Comment faut-il que je signe? Tu n'as qu'à mettre ton nom. Mon vrai nom? Ah, ça bien sûr. C'est que je ne suis pas comme toi, chérie. C'est même le contraire. Toi, tu es noble. Tandis que moi, je t'ai dit que je m'appelais Rosie de Viroflay. Mais à la vérité, tu m'appelles Valentine Putois. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas de ta faute. Maintenant, mon petit, assieds-toi et prête à mes discours une oreille attentive si tu le veux. Figure-toi que depuis le mois d'octobre dernier, il m'est tombé sur la tête une telle série de tuiles, et ces tuiles les voici dans l'ordre. Mon malheureux frère, je t'en avais touché deux mots, a fait en Amérique du Sud des affaires à ce point déplorable que pour le sauver de la faillite et peut-être du suicide, j'ai dû lui verser 1,5 million. Cette brèche dans ma fortune a malheureusement coïncidé avec la chute du dollar et la panique qui s'en est suivie. Ma fortune est de ce fait passée de 10 millions à 1 million. Je ne t'en ai rien dit exprès, car j'avais très bien compris que tu l'avais deviné. Intelligente et fille comme tu es, tu ne pouvais pas penser que j'allais être le seul épargné dans la débâcle. Et la preuve est que tu as eu le pressentiment de ce qui est arrivé, c'est que depuis justement quelques mois, tu as mis autant d'argent de côté que tu as pu, mais que tu as eu en outre l'idée de confier mon dernier million à ton ami, monsieur Léon Martyr. Malheureusement... Malheureusement? Malheureusement, ton ami a cru devoir disparaître avec mon million. Qu'est-ce que tu dis? Je continue à ne te dire que l'exact, l'horrible vérité. Alors, tu n'as plus rien? Mais si, mon amour, puisque je t'ai... En t'épousant, nous mettons en commun tout notre avoir. Je suis sauvé. C'est ça que je viens de signer? Eh oui. Et puis, cet argent, ce n'est pas du pain maudit, puisque c'est moi qui te l'ai donné. Dame, je croyais... Que j'étais riche? En tout cas, je ne pensais pas que... Et puis, tu sais très bien que je n'ai que 170 000. Que tu es distraite, ma chérie. Tu oublies de compter le chèque de 100 000 francs que t'a remis ton ami Martineau, et dont on a retrouvé le talon en perquisitionnant chez lui. Cependant, l'état d'esprit dans lequel tu te trouves en ce moment m'inquiète fort. Je ne veux pas que tu puisses dire un jour que je t'ai épousé de force et que je partage ta vie contre gré. Cette petite maison que je t'ai donnée et qui est charmante pour toi, ne va-t-elle pas te sembler exiguë pour nous deux? Si je puis te répondre franchement... Mais mon amour, il faut que nous nous parlions avec la plus grande franchise. Si nous n'étions pas d'accord dès le premier jour, la vie entre nous deviendrait vite invivable. En effet, et là il y a presque une impossibilité. Tu vois? Alors pourquoi ne pas vendre la maison? Ce serait dommage. Oh oui? Que faire? Ne pas réaliser ce projet ravissant de vivre côte à côte? C'est bien dommage aussi. J'en aurais moi-même beaucoup de peine, crois-le bien. Oh, toi, à ton âge, tu te consoleras vite. Comme dit la chanson, les chagrins sont bien vite oubliés. On peut rester de bons amis. Tu pourras venir de temps en temps me voir. Évidemment. Cette solution te paraît-elle la plus sage? Sois franc jusqu'au bout. Eh bien... Oui. Soit. Alors voilà comment les choses vont se passer. Le lendemain de notre mariage... De notre mariage, tu voudras bien déposer une demande de divorce pour incompatibilité d'humeur? Nous irons pour la forme en conciliation. Et deux mois plus tard,
Le divorce sera prononcé aux torts respectifs des époux. À la suite de quoi, étant marié sous le régime de la communauté et ne possédant rien moi-même, tu voudras bien me faire remettre par ton avoué la moitié de tout ce que tu possèdes et que je t'ai donné ? Cessez de trembler, mon enfant. Rien de tout cela n'est vrai. Hormis l'histoire de votre ami du cinéma. Mais ça aurait très bien pu être vrai, tout ça. Oui, ça aurait très bien pu vous arriver. Donc que cela vous serve de leçon à l'avenir. Adieu. Et n'oubliez pas que, comme l'a dit très justement quelqu'un que je connais, les hommes qui aiment se payer le corps des femmes n'aiment pas que les femmes se paient leur tête. Bye bye, comme vous dites.